Bonjour, nous sommes mardi le 13 octobre 2015. Je suis Cyril Ekwala, vous écoutez Néo-Québec, une édition spéciale. À une semaine des élections générales au Canada, nous avons voulu entendre le mot Afrique. Nous ne l'avons pas entendu tout le long de la campagne qui se termine, alors que tout le monde va aux urnes dans une semaine. Le débat Afrique s'est tenu dans le cadre du Forum Africa-Canada qui s'est tenu il y a quelques semaines à Montréal. Le mot Afrique, la relation Canada-Afrique n'a pas été évoqué tout le long de cette campagne. Et grâce au Forum Africa, nous avons pu entendre ce mot. Je vous propose d'écouter le débat qui a opposé Madame Mélanie Joly, candidate du Parti libéral, à Hélène Laverdière, candidate du Nouveau Parti démocratique. Je comprends mal, je comprends particulièrement ici au Canada, et j'en comprends pas la diversité
c'est beaucoup. Hein. Il ne faut pas se cacher. C'est la République centrafricaine, c'est silencieux, c'est le Niger, par exemple. Mais c'est aussi des pays comme le Sénégal, où le système de transition démocratique exemplaire au Sénégal. C'est le Nigeria qui est une puissance économique incroyable. L'Éthiopie, dont la croissance du produit national brut est à peu près 10% en 2014. C'est quand même sérieux, c'est impressionnant. Et c'est le Tunis, 41% de la population africaine qui a moins de 15 ans. C'est absolument impressionnant. Je pense que ça, ça donne beaucoup d'espoir, cette jeunesse-là. Mais il y a des défis. La jeunesse elle-même est une défi. Elle a besoin de culture, elle a besoin d'espoir. Il y a des défis très concrets comme les changements climatiques, la désertification, des problèmes de gouvernance, de plus d'argent aussi, qui vont trop souvent vers le Nord. Et donc, c'est le problème d'image. Je l'ai vécu si vous voulez qu'on puisse se rendre plus en personne. Et ça ne date pas d'hier. Je me souviens, moi, du décès de voir organiser le décès du Premier ministre à Dakar, où j'essayais de convaincre pleinement. Il y avait même fait comme l'exposition sur les femmes passeuses de l'Afrique qui avait été faite conjointement avec le musée canadien et le musée de Dakar, qui était une exposition fabuleuse. Et souvent, les gens disaient « Ah oui, mais on se croirait à Berlin, regarde cette exposition-là. » Alors moi, j'avais insisté pour dire « Oui, justement, il faut montrer que la vie, c'est tout ça. » Comme le Rangers et lui, comme ce que l'on parlait de vous demander de
Je parlais depuis tout à l'heure de l'expérience africaine, par exemple, on sait
la chaîne qui vous a perdu. Et encore plus tard, encore une autre famille, c'est un gentil qui a fait en sorte de refuser d'intervenir militairement en Irak. Et ça, ça touche pas. Mais qu'est-ce que ça fait? C'est que, au cours des 50 ans de l'année de Peterson, le Canada, sous la Cour pénale, était une partie prenante importante de la gestion de crise humanitaire. Notamment, et non seulement ça, ce qui est arrivé, c'est qu'il y avait une très grande forte, une forte croyance au Canada que nous avions tout intérêt à nous investir dans les organisations internationales pour sortir. Mais le jour 100 de la politique étrangère est arrivé le 12 octobre 2010. Qu'est-ce qui arrive chez moi? C'est que le Canada a perdu son siège au Conseil de sécurité. Pourquoi? Parce que ça fait à ce moment-là quelques années que c'est un peu le pouvoir des investissements. Du Canada par rapport justement à la politique de la sécurité et à nos organisations internationales. Et cette vision-là que M. Mabou avait, c'est transposé concrètement en Afrique. Pour la plus grande des investissements, c'est-à-dire qu'on a. Intelligence.